maximum pour avoir un positif. Oui. Pendant la verticale, en montant, je regarde les deux pixels pour constater mon angle vertical et aussi la courbée. Oui. C'est bon? Exact. 120 nœuds, on commence à revenir. C'est bon? Exactement. Oui. Des fois, le secret là, pour être capable de faire ta verticale correcte, c'est de regarder tes ailes au début de faire ta manœuvre. Okay. On y va? Non, non, des fois même ça passe un peu sa glissade quand ça manque un peu la shot. Ok, honnêtement, je m'attendais à ce qu'on s'enfile la cible. J'ai vraiment, tu sais, on s'est arrêté. Ah, c'était un mouvement balistique. On s'est carrément arrêté dans les airs, là, c'était silence zéro. Ah, ouais, c'est ça, c'est bien normal. Okay. Même des fois, ça arrête pas mal plus, puis comme tu slides un peu, mais là, c'est un mouvement vraiment purement balistique, quand même contrôlé et tout. Ok. Oh. Qu'on avait des... Quand on est rendu au top, là, ouais. On était rendu un petit peu en positif. Okay. Ça, je t'ai dit, on va le banquer, tu peux tout de suite déjà genre, soit pousser ou essayer de corriger. Ouais, okay. Les espèces de swing qu'on a fait, ça c'était pas un test live. Non, non. T'as entendu un peu de même. Okay. Donc, la même chose, mais là, il faut que je mette le pied plus vite, faut pas que je pousse sur le manche en même temps. C'est ça. Mais plus vite, mais dans le sens quand même, tu commences graduellement, après ça tu l'envoies un kiki pour un peu plus. De mais t'étais un peu raide dessus. Pour moi, tu commences plus là, doucement, genre, puis c'est plus genre exponentiel si tu veux comme débattement. Là. Tu commences peut-être à 80 nœuds, t'en mets un petit peu, puis rendu à 70, t'en mets plus, peut-être 60, t'es rendu à moitié, puis là. Okay. C'est bon? Ouais. Quand t'es prêt. Je pense que c'est là que l'erreur vient tout le temps pour chacun de nous autres, parce que quand on commence à l'horizontale, au début, on est correct. Ok. T'es prêt. Un petit peu d'arrange, genre, qu'elle te... Ouais,